Go. Bonjour, je m'appelle Simon Pierre Béhuire, je suis le directeur de l'Institut Notre-Dame de Euzy, l'école pour laquelle vous vous renseignez actuellement dans le cadre de l'inscription de votre enfant en première secondaire l'année prochaine. Vous imaginez bien que j'aurais préféré vous accueillir dans notre école, vous la faire découvrir en chair et en os, vous partager les informations à propos des professeurs, des cours, des grilles, vous faire visiter les locaux, mais malheureusement, ce n'est pas possible pour le moment. Nous avons donc opté pour une présentation virtuelle à travers cette présentation Géniali à laquelle vous vous intéressez actuellement. J'espère que vous y trouverez les informations que vous cherchez, que vous y trouverez les réponses aux questions que vous vous posez, mais je m'empresse de préciser que le cas échéant, nous sommes disponibles, bien entendu, pour apporter des réponses à toutes ces questions qui sont certainement dans votre tête à l'heure actuelle, de la même manière que les questions qui seraient celles que vos enfants se posent à la suite de la vision de la partie en élève de la présentation qui est ici disponible. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez-nous par téléphone, par mail. Nous sommes là pour vous accueillir, pour vous répondre et pour vous aider à faire un choix. Vous trouverez dans la présentation que vous allez parcourir toute une série d'informations sur l'accueil des élèves, sur les grilles horaires, sur l'accompagnement que nous offrons aux jeunes, sur les pratiques pédagogiques qui sont les nôtres. Toutes ces informations-là sont présentées ici, mais ces informations-là sont globalement les mêmes dans toutes les écoles. Les grilles sont identiques d'une école à l'autre. À quoi sert cette présentation? Ben, elle va me servir à moi à présenter non pas les grilles, mais à présenter ce qui fait l'âme de Notre-Dame, ce qui fait la particularité de notre école. Et qu'est-ce que c'est? Quels seront les aspects principaux sur lesquels nous allons travailler avec vos enfants? Ben, c'est faire en sorte que Notre-Dame vive et puisse exprimer les valeurs qui sont les siennes. Qu'est-ce que c'est Notre-Dame? C'est une école ouverte sur le monde, une école ouverte sur l'autre, et c'est surtout une école dans laquelle le jeune n'est pas un élève, pas simplement un élève, c'est une école dans laquelle le jeune est un jeune sous toutes ses facettes. Pas simplement un apprenant, un jeune, un individu, forcément donc un individu différent des autres, qui aura à chaque fois besoin d'un accompagnement un peu différent de celui des autres, qui va devoir trouver son chemin de vie, le sien, pas celui des autres. Et nous sommes là pour les aider, nos élèves, sur ce chemin de vie. Nous sommes là pour les accompagner. On va essayer, bien entendu, de leur transmettre des savoirs, nous sommes à l'école, mais on va aussi leur transmettre des habitudes, on va essayer de leur transmettre la logique du choix. Ils vont devoir choisir pendant leurs études quelles seront mes priorités, quelle sera la formation que je choisirai. Cette dynamique du choix, ça se travaille, nous le faisons dès la première secondaire. On va aussi travailler sur l'émotion. Parce qu'on sait que nos jeunes, nos ados, ils sont pleins d'émotions et que ça les porte parfois, mais que ça les freine d'autres fois. Ces émotions, ça se gère. On va apprendre aux jeunes à gérer ces émotions. On va les aider, on va les accompagner. En gros, on va les aider à grandir très humblement, mais de là où ils sont, on va essayer de les amener au meilleur de ce qu'ils peuvent devenir avec les années et avec le temps. Le chemin de vie sera ce qu'il sera. Il sera peut-être de 6 ans, peut-être de 3, peut-être de 2, peu importe. L'important pour nous, c'est que pendant le laps de temps où votre enfant sera avec nous à l'école, il se sente accompagné dans son trajet vers l'âge adulte et vers une profession plus tard. Alors, bien entendu, il y aura encore d'autres questions qui viendront. Et bien entendu, vous allez aussi, je vous le conseille et je l'espère, vous renseigner à propos d'autres écoles. Car choisir une école secondaire, c'est un choix important pour votre enfant, pour vous. C'est un choix qui ne doit pas être pris à la légère. Je vous conseille donc d'aller voir d'autres écoles, d'essayer de comprendre quelles sont les logiques des autres écoles pour pouvoir, in fine, trouver le meilleur projet pour votre enfant, pour l'individu qu'est votre enfant. Et si ce projet correspond à celui que nous proposons, eh bien nous serons ravis et heureux de l'accueillir parmi nous le 1er septembre de l'année prochaine. Si le projet que nous proposons ne vous convient pas, et c'est bien entendu tout à fait possible, tant mieux. C'est un moment important. Il doit être réfléchi, il doit être discuté avec votre enfant. Et pour cette discussion, je vous le redis, n'hésitez pas à nous contacter.
toutes les questions et toutes les angoisses qui sont les vôtres ou celles de vos enfants, nous sommes là pour les entendre et pour vous aider à y apporter les réponses. Je ne déborde pas davantage parce que je suis certain que vous avez envie de découvrir la suite de la présentation. Je vous laisse donc la découvrir. Je me réjouis de partager notre école, celle des collègues, de tout le staff et la mienne avec vous, de vous la faire découvrir. J'espère que vous en profiterez. Et si j'ai le bonheur de compter votre enfant parmi un de nos élèves de l'année prochaine, eh bien, je serai un directeur heureux. En attendant, je vous souhaite une excellente année 2021. Je me réjouis d'avoir de vos nouvelles. Je reste, moi et toute mon équipe, nous restons à votre disposition et je vous souhaite une très agréable découverte.